Et bonjour tout le monde, c'est Mario Vidéo 44. Bonjour tout le monde. Et on se retrouve aujourd'hui pour bien la suite. Et la fin. Et la fin en effet, ça shot du let's play de Luigi's Mansion. Donc dans cette vidéo, on va faire le boss final et on va regarder les crédits. Voilà, évidemment, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Et on aura fini donc le jeu, et bien à 100%. Bon. Oui, il y en a qui vont chipoter, qui vont dire oui, mais vous avez pas le dernier grade, donc c'est pas 100%. Mais bon, on a les 50 bouts. Bon, voilà. On a les 50 bouts, on a fini le jeu. On a fait ce qu'on voulait. On a tout fait, donc bon. Alors, si vous considérez que pour le finir à 100%, eh bien, il faut être au grade, je ne sais plus, je crois que c'est grade A, hein. Bien dans ce cas, considérez ça, donc considérez qu'on a fini le jeu, je sais pas moi, 99%, mais sinon, si vous êtes d'accord avec nous, eh bien, c'était un ouaté 100%, donc voilà. Et bon. Quand nous aurons fini Luigi's Mansion, nous vous avons prévu un petit ouaté, on va pas vous dire encore c'est quoi, mais assez bien qu'il arrivera pas tout de suite, oui. je pense qu'il y aura d'abord la fin de Lego City Undercover. Oui, attention en haut dans le lus. Voilà, donc là, on va récupérer un dernier... Rubis bleu, donc c'est un rubis bleu. Donc voilà, et là-bas, regardez qui on voit Mario dans un tableau et on voit un bout. Mais ce bout est assez particulier vu qu'il s'agit de Roi Bou. Donc voilà, donc là, bon, désolé, mais les dialogues c'est aussi inintéressant que Sacha quand il se brosse les cheveux. Donc voilà, à titre comparatif évidemment. Donc voilà, donc là, le Roi Bou il dit oui, bah Mario il est méchant, il est noir. Ah ah, oh là là, Mario, j'aimerais bien voir les deux frères. Et en plus, le Ectoblast 3000 me fait pas peur, donc je vais te tuer. Et j'ai un rubis rouge super rare sur ma tête qui pourrait permettre à MV44 d'avoir le grade or. Youpi. Mais je vais pas l'ordonner. Bah oui, évidemment. Donc voilà, et bien évidemment, il va dire ouais, je vais te tuer. Et dans 5 minutes, il sera en train de pleurer parce qu'on l'aura niqué. Et quelques années plus tard, il se retrouvera comme par magie dans Mario Kart. Oui. Et encore quelques années plus tard, il se trouvera comme par magie dans Luigi's Mansion 2. Et voilà. Enfin bon, bref, y a aucune chronologie dans les Mario et c'est mieux comme ça, j'ai envie de dire. Oui. Donc voilà. Alors. Donc voilà, le boss final. Alors attention. En fait, je vous ai pas dit, mais on a vu Bowser. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il fait là, Bowser? C'est impossible. Bowser, on l'a tué là dans Sunshine. Même si, en fait, chronologiquement, Sunshine il est après quand même. Luigi's Mansion, parce que le professeur Catastrophe va donner un pinceau à Bowser Junior qui va nous tuer avec. D'ailleurs, c'est assez. Merci, Catastrophe. Et donc voilà. Il s'appelle Karl Catastrophe. Ouais. Donc, en fait, vous allez dire, mais le boss final c'est Bowser. Non, en fait. Non, bah attendez, vous allez voir. Vous verrez. Alors bon, on va essayer de se concentrer parce que j'ai pas envie de me louper tout simplement. Alors là voilà, il va envoyer ses boulets. Alors il va falloir le prendre. Donc là vous voyez, il va avancer, on va reculer et on va le balancer. Voilà. Et là sa tête se barre. Oh, Bowser est mort. Et là on va attraper lui. Donc là n'ayez pas peur les amis. Là vous voyez, ça part très très rapidement. Ça part 500. On le fait passer dans les 300. Ah. Donc par contre, faut faire attention à Bowser parce qu'il vous balance de la glace. Faites vraiment attention. Vous faites toucher, vous perdez au moins 20 de cœur. Vraiment, ouais, niveau dégâts, ils se sont fait plaisir, les mecs de chez Nintendo à l'époque. Oh, mauvaise idée. Casse-toi. Pas de prise de risque. Hein. Si vous sentez que vous êtes pas bien, ne tentez pas. Non, on se barre de là. Comme fait Lucas, vous faites votre chouchon. Oh là là, ils voulaient nous cramer les fesses, les amis. Alors, ça, c'est horrible, ça, ce truc-là, en fait, il vous aspire. À partir de maintenant, il devient un peu comme un bout ordinaire, puisqu'il a dans les 3 son. Et même on l'aspire beaucoup plus vite qu'un bois. Mais bon, vous direz. Et là, Lucas va y cramer comme ceci. Voilà exactement. C'est magnifique. Lucas, t'as même pas besoin que tu parles, tu comprends. Je comprends très rapidement, Sacha. Et t'as de stress maximum pour la team LV44. Oh, allez, dans les. Non, il s'est barré avant. Dommage, 66. Faut que je fasse un peu plus attention. Attention au Bowser. Mais bon, ça va aller, je pense. Ah, vas-y, il renvoie déjà ses boulets. On n'a pas perdu de temps. Qu'est-ce que c'était que ce rire glauque? Ça me faisait penser au rire du Hooper. Oui, le rire du symbole. Qui a évidemment symbolique. Ah, oh, mais la merde! Ah, de me les geler, mec! Allez. Oh là là, Sacha est énervé. Attends, il était dans les 300 ou dans les 200? Là, il était fin des 300, je dirais. Fin des 200, je crois plutôt, Sacha. Ah, merde! Casse-toi ou tu persistes? Je voulais pas persister! Je voulais pas! Oh, j'aime pas ça, Sacha. Ouais. Je n'aime pas ça. Il me mâche comme un vulgaire chewing-gum. En fait, le problème, c'est qu'il vous brûle en plus. C'est pas possible, ça, les amis. Essayez de te casser le. Mais je veux pareil.
Le problème, les amis, c'est que je commence un peu à avoir peur parce que si jamais il me touche, j'ai moins 20 de dégâts. Donc en terme, vous comprenez très vite, il me restera 3. Ok, il est un peu con, il balance. Ouais, je ne sais pas, il est un peu en retard. Il veut jouer au bowling avec Luigi, au secours, les enfants! Oh merde, merde. Là, c'est typiquement un boss, vous pouvez vous retrouver, vous avez 2 d'énergie, lui il a 2 d'énergie, ça peut vraiment arriver. Ouais, j'espère l'avoir quand même, ce serait vraiment sympathique. Ce serait très sympathique. Attention, Luigi, fais pas ta cinématique du mec déprimé. Et bam dans ta gueule. Ouh, en plus, il y a le masque qui arrive à ça. Je vais essayer d'avoir. Et... ouais, oh, voilà. Mais non, mes mecs. Ah putain, non. Oh là là, le fail. Oh non, bah c'est foutu, je pense. Je pense malheureusement que les amis, on l'aura pas. Mais vraiment, bah, mais même, n'importe quoi, Lucas, je fais putain. N'importe quoi. Là, t'aurais pu être fin d'essence si tu avais géré. Bien sûr, non. Allez, hop, on balance dans les gars. C'est ta deuxième chance, on va dire. Une deuxième chance, par contre, il me gèle, je pense que je suis mort. Allez, allez. Ah putain, là c'était un sans faute. Bon, allez Lucas, courage. Allez, on peut l'avoir. Attendez, si on l'a avec les 9, c'est magnifique. Tu sais, on a bien réussi à finir New World, le boss final, alors qu'il ne restait plus qu'une seconde. Ouais, on a un peu de la chance sur lui. Alors, parce que là, la mini, alors là, je sais pas pourquoi sa tête elle est à l'envers. C'est parce qu'il l'a mal remis, et du coup, il fonce un peu n'importe où pour nous trouver. Et nous manger. Ah non, merde. Non, il saute. Ah putain, on se barre. On se barre. Va pas trop loin, sinon il va sauter. Oh les amis. On est en état de stress total. Là, je crois qu'il reste dans les secondes. J'aimerais bien l'avoir. Vous savez quoi, je pense que tous ceux qui regardent la vidéo espèrent qu'on l'ait. Allez, pense à un super 3D, ça va te donner de la chance. Sinon, il va encore se moquer de vous dans les commentaires en disant mais les plus nuls dans les jeux vidéo. Il a pas tort, on me dit, ah, il a pas tort. Mais pourtant, là, oui. Oh putain. Super. Pendant quelques minutes, les amis. Ah oui, on a ça quand même, ça comptabilise. Yes, on l'a fait. Donc voilà, donc on l'a eu, bon ça va. Du premier coup, ça va. Mario Vidéo 44 a quand même montré son skill. Mais quel ténèbre, je suis putain. Mais nous, on a le don, les amis, de gérer le boss final. T'as vu les boss final, le boss finaux. Un boss final, des boss finaux. Ouais, ça doit être. Des boss final. Non, des. On tue le temps en fait parce qu'on est en avance. Un boss final, des boss finaux. Bon, je sais pas, vous savez quoi. T'as vu la musique? Luigi, tu as réussi, vraiment remarquable, fiston. On se retrouvera dans Super Mario Sunshine, c'est le macouille. Dans les Mario Luigi sur DS qui vont bien faire rager Lucas. Même si lui il a fait celui sur 3DS. Bon, là en fait, il nous explique que notre Ectoblast 3000 va exploser tellement qu'on a mis deux fantômes dedans et que on a intérêt à vite entrer si on veut pas se retaper le boss une deuxième fois avec seulement 4 d'énergie. Voilà, effectivement. Oh. Et là on est dans l'hôtel secret d'ailleurs. Et donc là on va prendre le tableau de Mario. Eh hey, me vole pas connard. Oh. Eh bah t'as pas fait vite hein. Moi j'aurais fini le jeu sans faire game over une seule fois. J'adore comme il le tient là, il se casse. Et d'ailleurs bah oui non mais on l'a fait sans. Tu vas en attraper une migraine, toute cette aventure n'aura duré qu'une nuit. Oui en plus oui, oui, ça se passe qu'une nuit. Ça a duré qu'une nuit hein. C'est, ouais, c'est comme ça on se dit oh mais putain mais c'est pour ça que le jeu est court quand même hein. Quoi? Ah c'est parler d'argent. Oui parce que oui bon il parle de l'argent. Bon après on va quand même lire les dialogues parce que. Donc alors. Là on va foutre ça dans la machine avec les fantômes et tout. Donc je vérifie que si ça récorde bien, si ça récorde pas, écoutez les amis, Mario Vidéo 44 se retire du web pendant une minute. Ok non c'est bon, tout record. Ok. Alors là oui, on voit en plus la tête de Bowser dedans. Ouais, et la tête du. Et un... On voit la tête de Bowser, comme disent les plus noobs de Nintendo. non mais c'est. Non mais c'est ML2G, quand il était enfant, il a. Enfin quand il était. Non bah attends, nous aussi on disait Bowser. Oui tout le monde disait Bowser. Tout le monde a déjà dit Bowser une fois. Tout le monde. Et si vous l'avez pas dit, bah dites-le maintenant, comme ça vous l'aurez dit au moins une fois dans votre vie. Voilà. Donc là, ah oui bah là le boss des pots. Pourquoi il a. Ah oui, ça c'était celle qui était à l'envers. Ah oui ouais. Ça c'était je ne sais pas qui. Ah si ça c'était le peintre. On l'a fait dans la dernière vidéo. C'était Super 3D. Connard. Ça c'était Yoshi's Story, enfin Game Super Mario. Ça c'était Mega Steven Boss. Ça c'était Mega Steven Boss. Ils sont tous morts les copains. Et ça c'était Mario Vidéo. Ah non, les fantômes de Mario Vidéo 44, on les a déjà vus. Hein. C'était, ouais. C'était les deux fantômes blonds, bien qu'on n'est pas blond du tout. D'ailleurs, alors, peut-être qu'on va les revoir. Attendez. C'est qui lui? Oncle Grimly. Jarvis. Vincent Van Gogh. Suzette. Oh. Soldat mécanique. Ah oui, c'était.
Sir Weston, le roi Bou. Le roi Bou. Ah, il est bien le roi Bou. On a attrapé 23 fantômes dans cette. Attends, est-ce qu'on va avoir tous les billets dans cette zone? Bon, je pense que tout. Enfin, au final, je pense qu'on a tout eu. Hein. Au final, vraiment du jeu. Pour l'instant, on a tout. Ça, on a tout. Ah, bien que peut-être qu'il manque. Ah, attention, attention. Ah non, je crois que c'est le bilan total du jeu là. Hein. Je pense qu'il nous montre combien on a au total. Oui, oui, regardez, on a eu tout. Les trucs au moins une fois en plus. Ce qui nous fait au total 102 millions d'euros et des poussières. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est A comme argent, sûrement. C'est pas en euros. Ouais, ouais, c'est d'être. Bah oui, on va sauvegarder mon petit. Et là, vous voyez, il y en a un qui se rajoute au fichier. Je reviendrai ça plus tard à la fin de la vidéo. Et donc là, voilà. Donc on a le tableau de Mario, mais Mario il est pas encore sorti. Donc du coup, donc on va le compresser. On va faire le processus à l'envers. On va l'électrocuter. On va le. La placer. On l'entend crier. C'est en accéléré. Je... Voilà, là, écoutez le petit air. Donc bien sûr, Sacha. Alors à la fin, Sacha, est-ce que t'as un culte? Est-ce que tu sais d'où vient cet air de musique? Alors à la fin, c'est un peu émotionnaliste parce que vous avez. Voilà, parce que Luigi pleure. Oui, Luigi. Et là, on sort par la GameCube. Ah oui, c'est vrai, on dirait une GameCube. Ah ouais, tiens. Là, c'est la même couleur parce qu'on a une GameCube bleue si vous voulez savoir la couleur. Et là, on a une Wii noire et une Wii blanche. Voilà, comme ça, vous savez toutes les couleurs. Et une Super NES grise. C'est pas mal. Bah, et là, regardez, la petite goutte là. Non, en fait, il est mort de rire le mec. MDR. Enfin, il est content. Bon, moi, je veux voir les crédits de fin, s'il te plaît, parce qu'ils sont trop cool, les crédits de fin. La musique, elle est trop cool. On va se prendre un droit d'auteur dessus, mais c'est pas grave. Enfin, bon, voilà. C'est la fin. C'est la fin d'un super jeu, d'un jeu culte, tout simplement, de la GameCube. On aura fait tous les épisodes de la fin. Shigeru Miyamoto. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, écoutez les amis, on espère que ce let's play vous a plu. On remercie vraiment tout le monde, tous ceux qui ont suivi le let's play. Bien sûr, ce let's play va être remplacé par un autre let's play, ce qui est logique. Enfin, on voilà. Peut juste vous dire un indice, c'est un jeu oui. Voilà, c'est un jeu oui. C'est pas du découverte par contre, hein, c'est un jeu qu'on a déjà fini il y a longtemps. Et qu'on a beaucoup et c'est un jeu multijoueur, voilà. C'est tout pour les indices. Vous pouvez essayer de deviner si vous voulez, hein, mais ça on s'en fout, il n'aura rien à gagner aux gagnants. Mais bon voilà, vous pourrez toujours essayer de deviner. Et donc voilà, bah, on espère que tout ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker cette dernière vidéo qui conclut ce WAT. Bon, il a été assez court, mais bon. Et donc le prochain WAT qui arrive sur la chaîne arrivera. Je pense qu'il va pas arriver tout de suite. Hein. Il va arriver avant la fin des vacances, c'est sûr. Ça va être un WAT. De toute façon, qu'on finisse Luigi's Lego City. Voilà, Lego City Undercover. Aussi, qu'est-ce qu'on a? On a Kirby au fil de l'aventure, ça on va le continuer doucement. Et puis pour la rentrée, on vous a prévu aussi un autre Let's Play. Mais ça, c'est pour la rentrée. Oui, d'ailleurs, c'est le Let's Play qui arrivera à la rentrée. Lundi, si vous voulez, c'était le lundi qu'on avait prévu. C'était un WAT qu'on avait prévu de faire pendant ces vacances là. En fait, ça n'a pas été possible et du coup, il sera fait à la rentrée. Vous savez, c'était l'indice qu'on vous a donné, c'était un Sunshine. Mais attention, tout en précisant que ce n'était pas Mario Sunshine. Donc, à vous de résoudre cette énigme. Et donc là, vous pouvez danser avec nous sur les crédits de fin. Sacha est parti dans une danse, c'est pour ça que vous l'entendez plus parler. Non, allez, Sacha, reviens sur Terre, s'il te plaît. Donc voilà, Europe Localization. Marcus Kroos. Donc, depuis, voilà. Depuis que j'ai vu les crédits de Rayman Origins sur la Nintendo Wii, j'ai une peur monstrueuse des crédits de fin. C'est vrai qu'ils étaient juste. Parce qu'en fait, Ubisoft, ils font appel à pas mal de studios pour réaliser leurs jeux. Enfin, pas mal de studios dans différents coins. Ubisoft qui est d'ailleurs français, hein, tout le monde le sait. Vivement Watch Dogs sur Wii U. Voilà, qui arrive pour ce Noël. On vous fera sûrement à je crois que c'est fini. Hein. Je crois, attention, regardons. Ah voilà. La question de fantôme était réglée. Professeur Catastrophe était si content de retrouver tous ses tableaux qu'il utilisa le trésor de Luigi pour lui construire une nouvelle maison. Ah, c'est là que c'est intéressant. Alors. Ah, on a un rang B. Bienvenue dans le nouveau manoir de Luigi. C'est le rang B, ça. C'est le rang B, tu crois? Ouais, grade B. Grade B, ouais. Ouais, je crois que la dernière fois j'étais en grade D. Oui, et donc en si grade vous D, êtes tout. En grade B, bah c'est un très gros. Ah, c'est quand même pas mal déjà. Ouais, grade B, ouais. On a bien réussi notre coup. Donc là, une rumeur qui dit que sur les versions américaines, japonaises, je sais pas, mais américaines, ce serait plus simple de oui, finir. Plus simple. Là, je pense qu'on sera en grade A si on avait une version. Alors après, je sais pas si c'est en fake ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc là, par contre, qu'on peut pas visiter le manoir, c'est dommage, tu vois, le manoir comme ça, ça serait. Ouais, classe. Non. Et donc voilà, et donc on a fini une deuxième fois, mais alors attendez, on va pas tout de suite se quitter. Donc là, vous voyez, on a fini donc là 50.
Là, on l'a, là vous voyez, on n'avait pas battu le boss final, en fait, on l'avait pas fait, on s'était recréé un fichier après, parce qu'on avait tout simplement, je sais pas pourquoi d'ailleurs, déjà là, 21 millions, alors que l'autre, 100 millions, donc c'est juste... donc voilà, au total, en fait, on a fini le jeu 3 fois, parce que bon, l'autre, on n'a pas battu le boss final, mais quand même, on avait tout fait. Et là, voilà, vous avez le manoir caché, mais juste avant, on va aller vite faire la galerie. Ah oui, pour aller voir. Pour aller voir, parce que je pense qu'il y a le bout, hein. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a le roi. Oui, lui, il est automatiquement de bonne qualité, je pense, non? Je sais pas. Bah non, ça dépend si tu veux. Oh, ça va, ça va. Ça va, mais bon. Ouvre les tiroirs, peut-être, il y a plein de thunes. Non, non, non. De toute façon, ce jeu, on a fini le jeu. Ah oui, oui, c'est vrai. En soi, ça ne sert pas à grand-chose. Et alors, vous avez vu, là, pousse-toi, toi. Alors, vous pouvez... Où suis-je? Retourner là-bas. Oui. Merci. Là-bas. Alors, vous pouvez soit aller au manoir. Donc, le manoir, lui, je sais pas si... Vous pouvez refiner, en fait, plusieurs fois les jeux sur votre fichier. Alors, vous savez, le manoir caché, lui, c'est le manoir en plus dur. Oui, en mode miroir. Et en mode miroir. Mais par contre, bien évidemment, vous recommencez tout. Donc, si je clique là-dessus ou si je clique sur manoir, je sais pas. Mais si je vais dans le manoir caché... faut savoir que je recommence le jeu totalement. Et quand j'aurai fini le jeu, il aura un petit 2 à la place du 1 vert qu'on a vu. Donc voilà, donc c'était juste comme ça. Hein. D'ailleurs, on va se quitter si vous voulez. Ne flippe pas, Luigi. Si vous voulez, je peux laisser dessus. Donc là, vous voyez, voilà, le Toad par exemple, il est là. Ah ouais. Vous voyez, là, c'est le. Pourquoi il y a une étoile à côté d'une Game Boy Aurore? Parce que je pense. Je crois que ça montre qu'on a déjà fini le. Soit ça montre qu'on a déjà fini le jeu. Ou soit ça montre qu'on que c'est en miroir, je sais pas trop. Enfin bon bref, en tout cas les amis, c'est sur ce qu'on va se quitter. Si vous avez aimé le let's play et tout, je l'ai déjà dit, n'oubliez pas de liker. Mais en tout cas, merci vraiment à tous ceux qui ont suivi ce LP de Luigi's Mansion, évidemment sur GameCube. On se retrouve donc pour la suite d'autres WAT ou pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde, c'était Mario Video 44. Au revoir.